La première partie du récital d'Alexeï Sultanov est consacrée à Mozart, puis à Chopin. Alexeï Sultanov avait prévu initialement de jouer le concerto italien de Jean-Sébastien Bach, mais il a préféré au dernier moment s'en tenir au programme du concours Van Cliburn. Nous écoutons pour commencer la sonate en ut majeur Köchel 330 de Mozart en trois mouvements, Allegro, Andante cantabile et Allegretto. Thank you.
Sonate en ut majeur que Schell 330 de Mozart, au piano Alexei Sultanov. Il enchaîne à présent avec la sonate pour piano numéro 3 en si mineur, opus 58 de Chopin, Allegro maestoso, scherzo molto vivace, largo et finale presto non tanto. Thank you.
Thank you.
Sonate numéro 3 en si mineur, opus 58 de Frédéric Chopin, Allegro maestoso, Scherzo molto vivace, Largo et finale presto non tanto, au piano, Alexei Soultanov. Alexei Soultanov interprète Étude, tableau opus 39 numéro 5 de Serge Rachmaninov. Thank you.
Vous écoutiez Alexeï Sultanov dans Études, tableau opus 39 numéro 5 de Serge Rachmaninov. Voici à présent la sonate pour piano numéro 7 en si bémol majeur opus 83 de Serge Prokofiev. Quatre mouvements à cette sonate, Allegro inquieto, Andantino, Andante caloroso et enfin Precipitato. Au piano, Alexeï Sultanov. Thank you.
Sonate pour piano numéro 7 en si bémol majeur opus 83 de Serge Prokofiev, elle était interprétée par Alexei Sultanov. Le programme du récital d'Alexei Sultanov s'achevait par Mephisto Waltz numéro 1 en la majeur de Franz Liszt. Thank you.
avec Nefisto Vals numéro 1 en La majeure de Franz Liszt que s'achève le récital d'Alexei Sultanov, donné dans le cadre du 9e Festival international de piano de la Roque d'Anterron.